Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour encore un nouvel épisode sur Two World. Voilà, je suis sur mon cheval, donc on va continuer l'aventure si mon personnage veut bien bouger en fait. Plutôt mon cheval. Alors. Ah d'accord, non, c'est clic droit. Donc, on va regarder un peu les quêtes qu'on a à faire. Et puis on va tout simplement continuer. Pratique vétérinaire, ça on a fait. Non, attendez, tous les points d'exclamation là. Allez à Atmandor, bah, écoutez. On va aller là-bas et puis... Bayan et Atmandor, c'est par où? C'est là-bas? Ah oui, d'accord. Guilde des mages, guilde des marchands, aller à Atmandor. Famine. Ah, Baline ou Atmandor? On va aller à Baline en premier plutôt, je pense. Ouais, on va aller à Baline. Alors j'espère que vous allez bien, bon, en tout cas ça va mieux. Ma voix est à peu près revenue, maintenant c'est bon, c'est une toux qui est restée. Et voilà, passionnante vie. Alors, est-ce que... Non, mort, bien sûr, je peux pas utiliser mon cheval en ville, donc on va passer par là. Alors, donc, la dernière fois, dans l'épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une quête là auprès d'une vétérinaire pour bah, justement ce qui nous avait permis d'obtenir le cheval. Donc on avait tué des autruches, le gang des autruches, comme mes potes l'appellent. Et voilà, et donc en reconnaissance, elle voulait que... Enfin, vous voyez, on est dans le désert, donc plus d'eau, ils ont très peu de nourriture, et donc ils voulaient bah, que... Elle voudrait qu'on arrange en fait... comment dire? Enfin que la ville de Baline envoie des provisions bah, à sa ville pour d'accord. Ah, attendez. Oula. Bon, ça commence bien l'épisode. Donc je suis un peu concentré, sur la dernière fois je m'étais fait éclater par tout ce qu'il y avait. Alors, que s'est-il passé? Donc apparemment mon cheval a des limites, je peux pas le faire courir à fond sinon il m'éjecte. Et je viens d'apprendre que tous les animaux de la savane sont agressifs et veulent ma peau dès qu'ils le peuvent quoi. Alors... Par contre, faudrait éviter qu'il se barre non plus. Enfin, faut un peu chier, quoi. Je viens de t'avoir, calme-toi. On va éviter de sauter sur place aussi. Donc, vous voyez, c'est. Donc, comme j'avais précisé. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas grave. Enfin, à gauche, on voit la santé du cheval et on voit aussi. Comme une sorte de barre d'énergie. Je pense que s'il reste trop longtemps dans le rouge, bah, il doit. Ok. Il doit. Bah, voilà. C'est comme ça qu'il m'a éjecté. Enfin, c'est à cause de ça plutôt qu'il m'a éjecté. Qu'est-ce que c'est ça? Alors attendez, ça là, je. Putain, non, ok, je me casse. En fait, je pourrais me les faire, mais le truc c'est que. On avait vu que bah, si je caste mon clic gauche tout simple en fait et que si on me tape ça va le enfin, ça va ouais ça va l'interrompre. Bon, j'avais oublié ça. Et bah, le truc c'est que je me fais défoncer parce que j'ai pas de vie, j'ai. Voilà. Ouais, écoutez, on va essayer de se faire ce truc là. Waouh, il tank. Ouais bon. Classmage, hein, c'est du bourrinage de touches. Je sais pas si vous entendez ma souris, mais
Oh, j'espère qu'il a pas reset. Ok, non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vient de tuer là? C'est quoi? C'est une sorte de loup? Cœur de Varn mutant. Bon, écoutez, j'ai réussi à avoir du stuff sur lui. On a drop des bijoux. Je vais les équiper. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être contre la magie, bon, comme dans la plupart des jeux, ça doit être. Ça doit être contre la magie. D'accord. Bon, je vais pas m'attarder sur ça. Les musiques sont pas mal, enfin, je viens d'en remarquer. La musique du. Enfin, au moment où on rentre en phase combat était vraiment sympa, elle a été assez épique. J'aime bien la musique épique. On a une maison abandonnée. C'est un peu buggé quand même le cheval. Hein. Je peux pas dire le contraire, mais. Attends, on va sauter ça. Ouais, d'accord. On va sauter ça. Bon, c'est pas grave. On va rien sauter. Ok, voilà la ville. On va laisser son cheval là parce que je vois qu'il y en a d'autres. Est-ce que genre j'ai un moyen de l'attacher ou quoi? Ou pas du tout? Je pense pas. On va le laisser là. En espérant qu'il ne s'en aille pas. On va parler au mec. Ok, j'aurais pu faire le tour quoi. Bon. Voir un guerrier téméraire de votre trempe m'emplit de joie. Je m'appelle Altan. Que puis-je faire pour vous? Je viens de la part des habitants de Bayan. Ils sont en danger. Ils n'ont plus de bateaux, plus de chevaux, mais ils ont beaucoup d'argent. L'argent ne vaut rien dans la savane, je leur ai déjà dit. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger car leurs voisins, à qui la chance sourit, préfèrent les voir mourir. Gardez votre langue, jeune homme. Bayan n'est pas le seul village où les gens ont faim. La sécheresse nous frappe tous. Halin est sous ma responsabilité, je ne suis pas le gardien d'Alima. Peut-être que la famine les a aveuglés, mais vous, quelle est votre excuse? Votre peuple est-il aussi cruel? Ou est-ce juste vous? Vous vous prenez pour qui? Vous débarquez, vous remettez en question ma manière de diriger? Vous n'avez jamais vécu ici et vous prétendez que vous seriez un meilleur souverain? Exactement. Arrogance. Idéalisme. Toutes les caractéristiques d'un administrateur profane. Un homme aussi cultivé que vous a sans aucun doute entendu parler de la Restless Run. Éclairez ma lanterne. Voilà maintenant des siècles que les habitants de la savane élèvent des chevaux. La Restless Run est une tradition ancestrale, il s'agit d'une course entre villages, entre voisins. Le vainqueur de cette course a la possibilité, s'il le souhaite, de remplacer le souverain du village. Cette ouverture d'esprit est... insoupçonné. J'ai disputé cette compétition il y a près de 10 ans, je suis devenu l'administrateur. Personne n'a battu mon record. Parce que personne n'a essayé. Ça en dit long sur le respect et la reconnaissance que mon peuple éprouve à mon égard. Mais si vous pensez être capable de faire mieux, allez-y. Faites le test d'initiation et essayez donc de vous emparer de mon titre. Considérez que c'est fait. Considérerai que c'est fait quand vous reviendrez avec autre chose que des mots. Donc, apparemment, on devait parler à lui qui est donc le chef de ce village-là. Alors, j'avoue, punaise, je suis d'une arrogance totale. Donc, je vais faire la course contre lui apparemment. Ah, ben, cool ça. Donc voilà, je vais faire tout simplement la course contre lui et puis je deviendrai à mon tour chef chef de ce village, je crois. Mais alors Alima, le chef de Bayan, m'a demandé de l'aide pour remettre en route les échanges commerciaux.
commerciaux avec un W, d'accord? Altan refuse de vendre de la nourriture à cause de la sécheresse et le village d'Alima tout entier risque la mort à cause de la famine. Pour aider Alima, j'ai besoin d'un cheval, mais le meilleur est malade. Non, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, oui, voilà. Alors, où est-ce que je peux démarrer la course? Votre test d'initiation vous attend, tout comme votre peuple. Si c'est le seul moyen. Alors prenez ce parchemin, déchiffrez-en le contenu. Il vous mènera à un symbole que seul un cavalier chevronné pourra découvrir. Dessinez ce symbole à l'arrière de cette page et vous pourrez participer à la Rustler's Run. Alors. Heureusement, je lui ai reparlé, sinon j'aurais jamais eu ça. Maître de cavalerie, 12e étape d'initiation. Ok, re tout le monde. Alors, j'ai eu un gros souci au niveau du record, de la capture de la vidéo. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Alors, peut-être malencontreusement, j'aurais cliqué sur la touche. Aucune idée. Donc normalement la vidéo s'est coupée quand j'avais pris, enfin quand j'avais récupéré du chef de la ville là, ce parchemin en fait, cette cérémonie oui. Et donc qu'est-ce que j'ai fait seulement? J'ai juste fait la quête en gros où ça me demandait, enfin en cheval, je suis juste allé là, je suis après ici, enfin, c'était juste des points de contrôle au fur et à mesure. Donc voilà, il s'est pas passé grand-chose. Il y a peut-être eu 5 minutes où c'était coupé, mais voilà, j'ai juste fait la route jusque-là en cheval. J'ai voilà, il s'est pas passé grand-chose. On a découvert, j'ai découvert ces hôtels-là en fait qui donnent, enfin, soit de la magie en plus, soit de la force en plus, de la dextérité en plus et tout. Donc du coup ce que j'ai fait en fait, parce que j'ai remarqué que la vidéo s'est coupée quand j'avais terminé mes 30 minutes, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de prendre la sauvegarde automatique la plus proche de du moment auquel elle s'est arrêtée. Peut-être que le temps ne va pas être respecté, je n'en sais rien, parce que du coup j'ai pas fait enfin. On est reparti, on va dire, pour une petite dizaine de minutes. C'est peut-être plus court que d'habitude. Bon, on va dire une dizaine, une quinzaine de minutes. Donc je sais ce qui va se passer. Voilà, enfin, on va juste aller jusqu'au bout. On va découvrir donc là le motif dont il nous a parlé. Et puis on va aller rendre la quête, quoi. Et puis après on ira sûrement farmer un peu. Et puis voilà, on verra. Mais donc voilà, j'ai eu un petit souci. J'espère que ce sera pas dérangeant. Puis sinon, enfin voilà, faut que je fasse avec de toute façon. Donc, et bon, je m'en excuse hein, d'avance, enfin, d'avance dans la vidéo. Mais j'espère que j'arriverai à faire une, enfin, à lier les deux vidéos sans que ça soit. Et sans que ça fasse trop bizarre quoi, mais voilà. Voilà, on avait fait tout simplement point de contrôle. Bon, ça m'embête vraiment hein, tout. Enfin, donc la vidéo est buggée comme ça, ça m'embête vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, bon, j'ai rien dit de particulier. Hein, j'ai juste fait la route. J'avais prévu que. Donc là j'ai vu sur la fin à peu près, je suis en train de tuer les babouins là, enfin là où, du moins quand j'ai la plus vieille sauvegarde, j'avais tué deux babouins là à l'hôtel de tout à l'heure. Et en fait j'avais remarqué qu'on pouvait, enfin j'ai remarqué que si on farmait des monstres comme ça, ça a augmenté mon niveau, donc ma magie et tout. Et alors j'avais test là, on a vu une fourmi géante, j'avais test, ça prenait beaucoup de temps. Et en fait j'avais démonté. Oh, s'il veut bien s'arrêter, ça je comprends pas pourquoi il s'arrête pas. J'avais démonté là les babouins qu'il y a, donc je vais vous montrer en gros. La barre en bas verte, c'est ma barre d'XP. Donc regardez là, j'ai monté de niveau.
Donc ouais, je vais un peu clean la zone histoire de monter un petit peu de niveau pour moins galérer contre les ennemis et pas vous faire comme dans le dernier épisode, donc me cacher sur un rocher dès que je croise un. Ouais, voilà. Ouais, j'ai perdu l'habitude du coup. Dans l'autre vidéo, j'étais pas mal monté de niveau et du coup, j'avais une régénération de niveau assez forte. Du coup, bah, j'avais pas besoin comme ça de courir. J'avais juste à spammer mes sorts en fait, comme un idiot. Hop, lui il est mort. Là. Regardez. Donc j'ai vite fait augmenter parce que j'ai quand même pas mal de points déjà. Je vais tout mettre en magie. Mais au final je pense que j'arriverai au même compte que tout à l'heure. Magie de feu parce que j'utilise ça. J'ai mis en régénération de mana. J'ai mis 2 en régénération de vie. Régénération de physique j'en ai mis 1. J'ai mis poison. Bon j'en ai plus là mais j'ai mis poison aussi je me rappelle. Donc j'ai essayé de respecter ce que j'avais fait. Heureusement bon, on n'est pas encore dans un... Dans une étape importante de l'aventure, là, on découvre encore. C'est pas comme si la vidéo avait cut sur un boss, quoi, ou là, ça... Là, j'aurais vraiment été déçu, quoi. Hop, on va tuer tout ça. On va tuer les autruches, là-bas, qui m'ont cherché un peu tout à l'heure. J'avais remarqué aussi que... Regardez, les... Je les one shot. Wow. J'avais remarqué que les animaux sont à l'état passif en fait la nuit. Bah ils doivent les mettre comme s'ils dormaient, enfin en état de sommeil. Donc on passe à côté, on les aggro pas quoi. Oui, j'avais aussi remarqué ça que c'est vrai. Il faut pas que je spamme le bouton droit sur mon cheval, sinon je tombe. Donc on va aller rendre la quête et puis. On verra déjà. Je vais aller en la quête, puis on verra. Je suis où là? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ouais. Donc j'avais fait. On était. Bon, je. Enfin, à la fin de l'autre vidéo, j'étais revenu à l'ancienne ville, donc on va aller voir. J'ai quand même vous montrer. Et pour voir si chez le marchand je pouvais m'acheter un meilleur bâton ou des sorts ou quoi. Malheureusement, j'ai rien trouvé de meilleur que ce que j'ai là. Je pense que je le dropperai à un moment donné, mais pour le moment, c'est pas ça. Donc là, il faut que je passe par là. Il faut que je rejoigne la route là-haut. Bon, ça m'embête vraiment. Après, je suis quoi, 7 minutes. On va dire, on part sur une bonne quinzaine de minutes. Donc il nous reste encore bien 7 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on farm? Est-ce que je continue la quête? Écoute, on va finir la quête avec lui, comme ça il n'y aura plus d'embrouille. Je commençais à croire que vous étiez perdu. Voici votre carte. Et voici le symbole. Je vous ai sous-estimé. Dois-je prendre cela comme un compliment? Ne faites pas le malin. Vous avez réussi le test d'initiation, vous pouvez participer à la Restless Run. Le souhaitez-vous? Bien sûr! Eh bien, bonne chance. Allez, c'est parti. Hop, on monte. Donc, c'est une genre de course, mais une course seule. Donc, on a une genre de contre-la-montre. J'ai le temps en haut à droite. Donc là, il me reste 3 minutes. Et puis, c'est parti. Faut que je fasse de point de contrôle en point de contrôle. Faut que je fasse attention à l'énergie de mon cheval en même temps. Si je tombe, je perds pas mal de temps, je pense. Hop, on passe par là. Oh, c'est sérieux ça. Je suis coincé par un arbre, quoi. Allez, au point de contrôle suivant. Mais j'y vais. Si vous voyez des pauses, des fois c'est un. En fait, c'est sauvegarde automatique. Du coup, tout à l'heure je pensais à les couper parce que c'est vrai que ça fait un. Ça fait comme une pause, comme si la vidéo buguait, mais en fait pas du tout.
Mais je me rends compte que bah, c'est bien utile si. Je me rends compte que c'est vraiment très très utile quand une vidéo se coupe pour aucune raison. Oui, ça c'est pas. Arrête-toi. Mais. Regardez-le. Ça, on en avait tué un tout à l'heure. C'est un petit peu plus facile du coup avec la mana qui a plus besoin de se recharger. Ça passe mieux. Je vais récupérer la récompense. Mais alors là-bas, on... je sais pas ce que c'est. Mais... Retourner auprès de du mec. Puis il est. Yo, mon cheval est là. Hop, là. Bon, on reviendra là. Les tuer. Ça va, on provoque, il tire dessus quoi. J'ai encore 50 secondes, j'espère que c'est bon, j'ai le temps. Ça devrait bien se passer si je me fais pas bloquer par un arbre ou un rocher. Là. 30 secondes. Je sais pas si je vais y arriver. Ça me semble très short. Allez, on y croit. Ouais, non, ça passe pas du tout là. Et alors, pas du tout. Bon, bah tant pis. Échec. Du coup, qu'est-ce que je réessaye? Ouais. On va réessayer. Moi, je sais ce qui m'a fait perdre du temps, quoi. C'est d'avoir tué le mec et. Vous avez réussi le test d'initiation, vous pouvez participer à la Restless Run. Le souhaitez-vous? Ouais, bien sûr. Eh bien, bonne chance. Allez, c'est reparti. Waouh. Bon. Oh, le bug avec le cheval, quoi, tellement. Allez. Bon, c'est des phases pas très intéressantes du jeu. Hein. Je suis désolé, mais... Malheureusement, bah, ça fait partie des quêtes, enfin de l'axe principal. Quoi. Donc je dois les faire. En espérant la réussir, sinon. Premièrement, je me ridiculiserais si j'y arrivais pas au bout du deuxième essai. Et deuxièmement, je me suis déjà ridiculisé d'ailleurs. Mais. Du coup, ouais, quand je. Ouais, ça c'était les sauvegardes. Voilà. C'est vraiment pas pratique, mais. Oh punaise, allez, 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 allez. Oh, je perds trop de temps. En fait, faut juste que je trouve le coup de main. Parce que quand j'ai obtenu le cheval, donc il y avait toujours bien sûr les trucs d'astuces, mais j'ai pas pris le temps de lire quelle était la touche pour m'arrêter rapidement. Bon, si je récupère le drapeau rapidement. Où c'est juste là, juste que j'arrive à... en fait. Est-ce que je suis obligé de descendre du cheval? Non, même pas. Voilà, parfait. Ça devrait le faire là en 1 minute 45. Allez, 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 allez. Il y a vraiment quand même beaucoup de sauvegardes automatiques. Hein, Je vais voir là, une fois là, l'épisode terminé pour... Enfin, je vais aller regarder dans les options. Pour... si je peux pas rallonger le temps, c'est bon. Ce qui est un petit peu déstabilisant. Allez, encore une minute. Normalement, là, ça passe facilement. Sabot dans la tête des cheetahs.
Allez. Voilà. Ça c'est fait. Que faites-vous ici? Vous abandonnez? Je vous ai battu, comme vous l'aviez demandé. Je suis désolé, mais il est hors de question que mon peuple soit dirigé par quelqu'un d'aussi irresponsable. Je préfère encore mourir. Je ne me battrai pas avec vous, Altan. Vous n'avez pas le choix. Je ne vais pas vous tuer. Il le faut. Vous allez reprendre les échanges commerciaux avec Alima et son peuple, et vous serez payé comme il se doit. Nos réserves sont presque à sec, parce que nous ne disposons pas de sources d'eau fraîche. Vous voyez, ce n'était pas si difficile. Vous parlez maintenant comme un administrateur compétent. S'il existe une source dans la région, je la trouverai. Cela serait formidable. Mais en retour, Al-In doit reprendre le commerce avec Bayan. Nous sommes d'accord? Oui, je le crois. Je ne pense pas que vous puissiez trouver une solution, mais j'ai peut-être tort. En effet, nous en reparlerons. Attendez un instant. Je vais ouvrir la porte du village pour vous. La majorité de nos habitants ne parle pas aux étrangers. Ne soyez pas surpris si beaucoup d'entre eux gardent la bouche fermée. J'avais pas eu besoin de toi pour rentrer, hein. T'en fais pas. Mais c'est vrai que vous l'avez pas eu. Donc tout à l'heure, je suis rentré dans la ville et effectivement, il y a personne qui parle en fait, à part un marchand. Un marchand, mais qui veut rien vendre le temps que. Regardez, donc voilà, il y a personne. Enfin, un marchand qui, ouais, qui veut pas parler le temps de. Le temps qu'il n'a pas à manger, et puis bah sinon, ils ont tous. Voilà, il parle pas quoi, tout simplement. Donc, je vois qu'on est à 16 minutes. Bah écoutez, voilà, on a terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite fait faire les points de compétences donc. Où est-ce que j'en étais? Donc la dernière fois, j'avais mis. J'étais arrivé à 25 en magie et j'avais un peu ici. Bah j'avais exactement ça. J'avais du coup ça et ça. Et on va mettre une troisième fois ça sur la vie. On commence à être quand même pas mal. On est niveau 7. Presque niveau 8 d'ailleurs. Mais bon. Donc. N'oubliez pas, abonnez-vous pour vous tenir au courant des vidéos qui sortent. Il va y avoir un autre contenu là qui va bientôt arriver, normalement. Si tout se passe bien, ce sera du Left 4 Dead. Voilà, comme ça c'est annoncé. Il va y avoir du Minecraft aussi pour bientôt. Enfin, je vais faire un petit peu sur tout. Vous allez découvrir des amis, des personnes de la zone. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire pour donner des avis ou juste pour commenter. Mais voilà, tous les avis constructifs sont pris parce que je commence et donc j'écoute tout le monde, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous dis à plus tard au prochain épisode et puis ciao. Allez.